Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Drone et Vedaille pour la série du week-end. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Kingdom, une série coréenne disponible sur Netflix. À ne pas confondre avec cette série-là. Non, moi je vous parle de celle-ci. Pourquoi vous en parlez maintenant? Tout simplement parce que Netflix vient d'annoncer la sortie d'un épisode spécial Kingdom, Ashin of the North. La série compte 2 saisons que j'ai regardées et avec la sortie de cet épisode spécial, j'en profite pour vous faire part de mes impressions et ressentis vis-à-vis de cette série. Alors, es-tu un fan du genre zombie? Ou es-tu imperméable à ce genre de récit? Je vais peut-être te donner l'envie de regarder cette série. Par contre, les fans du genre vont adorer Kingdom. Mais alors, pourquoi Kingdom est si intéressant? Tout d'abord, l'histoire se déroule durant la période Joseon, quelques années après les invasions japonaises en Corée. Nous sommes donc vers la fin du 15e siècle de notre ère, un conflit voulu et provoqué par Toyotomi Hideyoshi, ministre des Affaires suprêmes d'un Japon fraîchement unifié. Nous sommes clairement dans un environnement qui change littéralement de tous ces films ou séries du genre. Une culture, une langue, un royaume et son histoire peu connue en France, à part pour les connaisseurs bien sûr. Mais pour ma part, Kingdom apporte un rafraîchissement seulement de par son contexte historique. Anyang, capitale d'une Corée où circulent nombre de rumeurs au sujet du roi. Le clan Haewon-cho punit sévèrement tout individu colportant ces rumeurs. Le prince héritier, pensant son père malade, tente à tout prix de le voir, ce qui n'est pas du goût de la reine, qui l'empêche d'accéder au palais royal. Notons que la reine est membre du clan Haewon-cho, qu'elle attend un enfant du roi et qu'elle se trouve être la belle-mère du prince héritier. C'est ainsi qu'accompagnée de son fidèle garde du corps, que Shang, notre cher prince, décide d'enquêter sur les manœuvres politiques du clan Haewon-cho. Intrigue de palais, situation chaotique et miséreuse de la population, complot politique pour le trône, voici les thématiques centrales qui structurent la série. C'est par un désir immense de détenir le pouvoir que sera employée la plante de résurrection, l'élément naturel à l'origine du mal qui se propagera dans tout le royaume. Nous sommes donc loin d'une industrie pharmaceutique qui balance dans la nature un virus afin de s'octroyer des mannes financières colossales tout en détenant en même temps ce remède dans ses laboratoires. Ouais, c'est mon petit clin d'œil à la situation actuelle, 2021, quand tu nous tiens. Bref, une série que je continuerai à suivre sans problème. Elle me plaît, vous l'aurez compris. Elle n'est pas parfaite pour autant, malgré ses décors, ses costumes, ses paysages exceptionnels. De très bons acteurs, d'autres le sont un peu moins. Si Netflix décidait de nous balancer une 3e saison, moi les gars, je signe les yeux fermés. Voilà, la vidéo se termine ici. J'espère vous avoir donné envie de regarder la série. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Drone et Vedaille. Bye. N'oubliez pas, Drone et Vedaille, c'est également une boutique Spreadshirt où j'exerce l'activité du design sur un large panel de produits très abordables. T-shirts, mugs, en passant par les pulls à capuche ou même les habits pour enfants et adolescents. En bref, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et à me soutenir. Mais Drone et Vedaille, c'est aussi un univers manga au travers de Black Pearl Chronicles, que je publie sur Manga Draft. Mais c'est aussi un partenariat sur le manga influenceur, dont le scénariste est Fumigène H et l'illustrateur moi-même.